Voici la première dame, la plus diplômée de la République de Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue sur le Script Info. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter cette grande chose que vous ignorez forcément sur Madame Simone Yvette Barbeau, l'épouse du président Laurent Barbeau. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Mais avant de commencer, voici la question du jour. En quelle année le président Laurent Barbeau a été transféré à la Cour pénale internationale, en abrégé CPI? Trois options vous ont été proposées. Option A, 1914. Option B, 2005. Option C, 2011. Vous répondez en commentaire. La réponse vous sera communiquée à la fin de la vidéo. Alors, chers amis, bon visionnage. Avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Située entre l'équateur et le tropique du Cancer, à gauche du méridien de Greenwich ou méridien zéro, la Côte d'Ivoire est un pays d'Afrique de l'Ouest qui a une superficie de 322 462 km². Elle fut une ancienne colonie de la France du 10 mars 1893 jusqu'au 7 août 1960, où elle devient indépendante avec comme premier président Félix Houphouët-Boigny. La toute première dame de la République de Côte d'Ivoire fut Madame Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Au nombre des premières dames qui se sont succédées à la tête de la République de Côte d'Ivoire, la plus diplômée est Madame Simone Yvette Barbeau. En effet, Simone Yvette Barbeau, l'épouse du président Laurent Barbeau, est présidente du Front Populaire Ivoirien en abrégé FPI. Née le 20 juin 1949 à Moussou, commune de Grand Bassam, est une syndicaliste et femme politique ivoirienne. Elle débute sa toute première carrière dans les années 1990 et 2000. Elle a été la première dame de la République de Côte d'Ivoire dans les années 2000 à 2010 en tant qu'épouse du président Laurent Barbeau, qui était le président de la République de Côte d'Ivoire, le successeur de Félix Houphouët-Boigny. Elle a fait ses tout débuts de formation dans les écoles primaires différentes. Amoussou Bouaké et Béomi, élève au lycée classique d'Abidjan en option lettres modernes. Elle a obtenu son baccalauréat en 1970. Elle décroche ensuite une licence en lettres modernes à l'université d'Abidjan et étudie à l'école normale supérieure d'Abidjan, en abrégé ENA. Elle fut major de sa promotion au concours d'entrée au CAPES, qui donne accès à la carrière de professeur de l'enseignement secondaire. Elle a été également étudiante en France, à l'université de Paris 18e. Paris 18, où elle a passé une maîtrise de lettres modernes option littérature orale en 1976 sur l'image de la femme dans le conte au Sénégal à l'université de Dakar, où elle a passé un DEA en 1981 et ensuite un doctorat sur le langage tambourine chez les Abous. Et enfin, en Côte d'Ivoire, elle a obtenu une licence en linguistique africaine à l'université d'Abidjan en 1984. Notons aussi que Simone Barbeau, la première dame de la République de Côte d'Ivoire, est historienne, docteur 3e cycle en littérature orale, chercheur en linguistique, appliquée et syndicaliste, très proche des milieux évangéliques. Alors chers amis, c'était cette chose que vous ignorez forcément sur Madame Simone Yvette Barbeau, l'épouse du président Laurent Barbeau. Revenons maintenant à notre question du jour. La réponse est le C, A8-2011. Bravo et félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Le président Laurent Barbeau a été transféré à la Cour pénale internationale en 2010-2011 suite à la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Alors chers amis, si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, surtout de partager la vidéo pour nous soutenir. A très bientôt pour de nouvelles vidéos et restez y connectés sur le Script Info. A très bientôt.